Salut à tous, petit guide rapide sur une monture secrète de Dragonflight, l'Outro. Pour cette monture, il y aura trois étapes. Tout d'abord, il faudra acquérir une pièce d'or des îles. Deuxièmement, il faudra acquérir le tonneau de poissons vides, puis remplir ce tonneau avec trois types de poissons différents. Je vais vous détailler chaque étape rapidement, et je mettrai toutes les coordonnées pour les endroits précis à l'écran et dans la description, afin que vous puissiez vous y rendre facilement avec TomTom ou un autre add-on de coordonnées. Je mettrai également des timers dans la description pour les différentes étapes. Si vous avez déjà donné une pièce d'or au grand bufflon et appris le jouet lunette aquatique, vous pouvez passer directement à l'étape 2, sinon restez là, je vais vous expliquer comment faire. Pour avoir une pièce d'or des îles, vous avez deux manières, soit la pêche standard n'importe où dans Dragonflight, ou la pêche au harpon. Si vous êtes au moins renom 7 auprès des Rohars et que vous avez débloqué le harpon, la pêche au harpon sera de loin la plus rapide. Vous allez devoir pêcher jusqu'à avoir une pièce d'or. Donc vous pourrez soit la loot directement, ou vous devrez avoir 5 pièces d'argent pour acheter une pièce d'or. Vous pourrez également échanger 15 pièces de cuivre contre une pièce d'argent, si vous en avez en plus et que vous n'avez pas assez de pièces d'argent pour acheter une pièce d'or. Afin de faciliter ce processus, et pour faire de la pêche au requin avec le harpon, vous pouvez vous rendre dans la recherche de groupes personnalisés et chercher Lunker en filtrant toutes les langues afin de trouver plus de groupes. Une fois dans un de ces groupes, vous allez utiliser votre extra button sans jamais frapper les requins, et vous looterez de temps en temps tous les plusieurs requins jusqu'à avoir une pièce d'or ou l'équivalent en pièces d'argent et en pièces de cuivre. Si vous avez de la chance, vous pourrez avoir directement une pièce d'or, sinon il vous faudra plusieurs heures ou plusieurs sessions de farm pour pouvoir l'acheter. Une fois votre pièce d'or obtenue, vous irez la rendre au grand bufflon qui se trouve aux coordonnées que je vais mettre à l'écran dans les plaines d'Onara, et en ouvrant le sac, vous aurez un jouet, les lunettes aquatiques, qui vous permettront de faire les étapes suivantes. Rassurez-vous, si vous en êtes là, vous avez déjà fait plus de la moitié du grind. Afin d'acquérir le tonneau de poisson vide, il faudra vous rendre à cet endroit dans les rivages de l'éveil, activer vos lunettes, puis sauter dans l'eau et danser sur la piste de danse qui se trouve sous l'eau. Vous devriez avoir un debuff de 5 minutes, vous pouvez AFK jusqu'à l'expiration du debuff. Vous vous réveillerez ensuite à terre sur la montagne à côté d'un tonneau, et vous pourrez faire clic droit afin de le ramasser, il ira dans votre inventaire. A partir de là, il vous reste plus qu'à pêcher quelques poissons. Tout d'abord, il faudra pêcher 100 poissons flottants gelés, dans les eaux autour du village d'Iskara. Moi je les ai pêchés sur ce petit ponton, le drop rate est assez élevé et ça ne prendra pas trop longtemps normalement. Activez le tonneau pour recevoir un tonneau de poisson à moitié plein, puis rendez-vous à la forteresse d'obsidienne. Ensuite, vous devrez pêcher 25 carpes calamiteuses dans la lave à côté de la forteresse d'obsidienne. Le drop rate est un peu moins élevé mais tout de même correct. Vous activez de nouveau le tonneau afin d'obtenir un tonneau plein de poissons, et finalement, vous devrez aller pêcher près de l'académie d'Alguetar. Voilà l'endroit où je me suis mis pour pêcher, c'était à côté des PNJ Draktyr qui pêchent. Celui-ci a un drop rate assez hard, et j'ai vu, selon quelques personnes, qu'il pouvait prendre jusqu'à 1 heure à drop, mais si vous êtes chanceux, il pourrait aussi prendre juste un lancer de canne à pêche, et donc 10 secondes. Une fois que vous aurez ce poisson épique, vous pourrez activer une dernière fois le tonneau, puis vous rendre là où vous l'avez récupéré pour la première fois. Vous pourrez alors poser le tonneau rempli, attendre quelques secondes et l'Outro devrait apparaître et vous donner la monture. L'Outro c'est une monture terrestre et aquatique à plus 100% dans les deux environnements et il s'adaptera automatiquement à l'environnement quand vous changerez. Petit easter egg, si vous activez le jouet lunettes aquatiques avant de monter sur l'Outro, il partagera également les lunettes. Je vous souhaite bonne chance pour votre pêche et pour votre grind, ciao!